nous avons travaillé autour de ce sujet à travers des rencontres avec des femmes au CHU et précisément dans le cadre d'un programme qui s'appelle Femmes, qui permet aux femmes de bénéficier de temps de rencontres, de paroles qui vont participer au bien-être des personnes. C'est donc un travail qui a été réalisé en duo avec Emma Aigretot et c'est une artiste qui travaille sur la question du visible et de l'invisible et donc le support de son travail et donc ces cailloux qui deviennent des cailloux anatomiques et qui vont peut-être représenter à la fois toutes ces nodules et ces kystes qui vont coloniser le corps. C'est une exposition qui est intéressante parce que si on ne connaît pas le sujet de l'endométriose, il y a plusieurs portes d'entrée. L'intérêt de cette itinérance, c'est peut-être de mettre l'endométriose sur la place publique. Et plus on va parler de cette maladie, plus elle sera connue et meilleure, je pense, sera la prise en charge.